Bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés. Merci à ceux qui nous regardent sur Zoom en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous parler d'humanisme. Je vais vous en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est important d'en parler, maintenant plus que jamais. Une des questions qui revient constamment quand on discute de moralité avec des personnes religieuses, c'est vous voulez remplacer la religion par quoi? Alors, je vais faire un effort de réponse ici à ça. Je ne vais pas m'attarder sur les origines de l'humanisme. Si vous voulez en savoir plus, il y a une conférence que j'ai faite, peut-être une couple d'années, qui est sur YouTube, qui s'appelle « Humanisme 101 ». Si vous allez sur YouTube, vous allez la trouver facilement. Cette conférence-là parle davantage de l'histoire de l'humanisme depuis les anciens Grecs jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une synthèse, un genre d'introduction. Qu'est-ce que ça signifie être humaniste? Sur quoi est-ce que les humanistes s'entendent généralement? C'est un peu de ça que je vais parler ce soir. J'essaie très fort d'être un humaniste. Je ne sais pas jusqu'à quel point j'y arrive, mais je vais continuer à essayer. Parce qu'entre autres, moi j'ai la ferme conviction que le monde se porterait mieux si la raison, la compassion et les valeurs humaines étaient réellement au centre des préoccupations de nos dirigeants et de nos oligarques, mais de tout le monde aussi. Petit avertissement, ce que je vais dire ce soir ne devrait jamais être interprété comme un dogme, comme un principe inviolable, ça peut changer demain matin. OK? C'est un des tenets de l'humanisme que nous devons être prêts à modifier nos positions si les faits changent ou si les moralités évoluent. Donc, pour ceux qui disent que l'humanisme est une religion, non, ça n'en est pas une. Je vais commencer par faire une petite citation de Steven Pinker ici, qui, c'est dans son livre « Les Trillons des Lumières » qui a écrit ça, et je trouve que c'est tellement une bonne description que j'ai décidé de la reprendre telle qu'elle. Les membres des associations humanistes, associations humanistes, seraient les premiers à insister sur le fait que les idéaux de l'humanisme n'appartiennent à aucune secte, comme le bourgeois gentilhomme de Molière, ravi d'apprendre qu'il faisait de la prose sans le savoir. Beaucoup de gens sont des humanistes sans s'en rendre compte. Des traits humanistes se retrouvent dans les systèmes de croyances qui remontent à la période de vers 500 ans avant notre ère, lorsque le philosophe Karl Jaspers a appelé la période axiale ou l'âge pivot. Plusieurs cultures, très éloignées les unes des autres, sont passées de systèmes rituels et sacrificiels qui se contentaient de conjurer des dieux. Ils sont apparus au cours de l'âge de la raison et des Lumières, débouchant sur des déclarations de droit anglaises, françaises et américaines, puis ont connu un second souffle après la Seconde Guerre mondiale, inspirant les Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres institutions de coopération mondiale. Bien que l'humanisme n'invoque pas les dieux, les esprits ou les âmes pour fonder le sens et la morale, il n'est nullement incompatible avec les institutions religieuses. L'humanisme peut sembler fade et convenu. Qui pourrait être contre l'épanouissement humain? Mais en réalité, c'est un engagement moral distinctif, un de ceux qui ne viennent pas naturellement à l'esprit. De nombreuses factions religieuses et politiques s'y opposent avec véhémence, mais aussi de manière tout à fait étonnante, beaucoup d'artistes, d'universitaires et d'intellectuels. Si l'on veut que l'humanisme, comme les autres idéaux des Lumières, continue de marquer les esprits de son empreinte, il doit être expliqué et défendu dans le langage et les idées de l'époque actuelle. Fin de la citation. En fait, je fais un petit aparté ici. J'ai lu l'autre jour, en fait, je suis tombé là-dessus en fouillant sur Internet, que l'humanisme devait être rejeté parce que c'est une invention des mâles occidentales. Moi, je dis, bon, je suis contre ça, vous le savez déjà. Vous en doutez. Une idée, quelle que soit, si une idée est bonne, quelle que soit sa provenance, elle devrait être acceptée à sa juste valeur. Pour ma petite causerie, je me suis inspiré grandement, mais pas seulement, de ce petit livre que j'ai ici, qui s'appelle « Le petit livre de l'humanisme ». Il sera disponible dans la bibliothèque dans quelques temps, hein, mais c'est un livre qui a été écrit par
le président des humanistes anglais, la British Humanist Association, monsieur qui s'appelle Andrew Copson, si vous parlez anglais, qui a plein de vidéos sur YouTube. Et ça a été coécrit avec Alice Robert, une anatomiste, une ostéo-archéologue et anthropologue anglaise qui a beaucoup écrit sur le sujet. Donc, j'apprendrai à personne ici que c'est très possible de mener une bonne vie sans faire appel à la religion. Des millions de gens le font déjà. Ils s'appuient sur leur entendement et leur humanité, leur intelligence et la science pour comprendre le monde. Ils ont à cœur le bien-être humain ainsi que le bien des autres créatures sensibles. Les humanistes... la tradition humaniste évolue, elle est dynamique. C'est une conversation sans fin dont le but ultime est de mener une existence sincère, éthique et ultimement heureuse. Donc, que signifie être un humaniste? C'est ce qu'on va essayer d'examiner. Alors, on va commencer, pas nécessairement par ordre de priorité. Une des premières choses que les humanistes comprennent, c'est que nous, humains, faisons partie de la nature. Nous n'en sommes pas séparés. Nous sommes intimement liés à cette planète qui est la nôtre. Si jamais vous avez déjà éprouvé de la joie ou une certaine sérénité devant un paysage ou une belle journée ensoleillée, vous savez de quoi je parle. Cette Terre est notre seule maison et nous en faisons partie. La question du pourquoi de notre existence n'est guère pertinente comparée au comment. La réponse est une incroyable histoire. Notre histoire commence il y a très longtemps avec l'apparition de quelques molécules qui se sont trouvées le moyen de se reproduire. La vie a commencé à évoluer par des formes multicellulaires qui se sont scindées pour emprunter diverses directions et engendrer un grand nombre d'espèces diverses jusqu'aux primates et nous, humains. Nous faisons partie de la dernière espèce humaine à avoir évolué voici 300 000 ans, vraisemblablement en Afrique. C'est peut-être pas la plus satisfaisante pour notre ego, mais c'est l'histoire qui correspond le plus aux faits et aux connaissances. C'est vraiment le temps. Ah, voilà, bon. Ressuscité. Donc, nous appartenons à sa monde et à l'univers. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais nous ne sommes pas le pinacle de l'évolution. Cette pensée devrait nous amener à afficher un peu plus d'humilité. Mais cette compréhension devrait aussi s'accompagner d'une énorme responsabilité et nous rendre conscients de l'impact que nous avons sur ce monde qui est le nôtre. Rapidement, qui a un compte Facebook ici? OK. Je vais juste vous le montrer, c'est des citations humanistes qui sont publiées deux fois par semaine sur notre compte Facebook. Le lundi, on a les livres pensés du jour et le mercredi, les citations humanistes. Alors ça, c'en est une que je trouvais qui était pertinente là, dans ce cas-ci. L'humaniste a conscience d'être chez lui dans l'univers. Il se perçoit comme un enfant de la Terre. Cette appartenance est presque mystique dans un sens. Sur cette base de millions d'années d'histoire terrienne, il sait qu'il est chez lui. Il porte avec fierté et dignité cet héritage de temps immémoriaux et fait partie d'un îlot de vie cosmique et toujours plus créatif. Alors, on continue. La démarche humaniste s'est toujours préoccupée des autres animaux. L'Organisation mondiale de la santé animale a promu 5 libertés fondamentales pour les animaux, auxquelles les humanistes souscrivent. Le premier, Jeremy Bentham, c'est la question n'est pas « peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais bien peuvent-ils souffrir? » La première, l'absence de faim, de soif et de malnutrition. Bon, on devrait leur fournir toujours un accès immédiat de l'eau potable à une nourriture appropriée. Le deuxième, c'est l'absence d'inconfort en fournissant un environnement approprié, incluant un gîte et des espaces de repos. On est loin du compte quand on regarde des abattoirs où ils font de l'élevage de porcs ou d'autres animaux. On est encore loin de ça. Il y a certains endroits qui commencent à le faire, mais c'est encore une infime minorité. La troisième liberté fondamentale, c'est l'absence de douleur, de lésions et maladies par la prévention et le traitement des maladies. La quatrième, liberté d'expression d'un comportement normal de son espèce grâce à un espace suffisant, c'est ce que je mentionnais tantôt, un environnement adapté et la compagnie d'animaux de la même espèce. Et numéro 5, en procurant des conditions de vie, évitant toute souffrance inutile. Deuxième point, vous êtes unique. On est tous uniques. L'humanisme reconnaît la spécificité de chaque être humain.
Nous sommes tous uniques de par nos gènes, de la façon dont nous avons été élevés et de notre vécu, de nos expériences. Nous sommes uniques par notre personnalité. Il n'y a jamais eu d'autre vous. Il n'y en aura jamais. Je ne pense pas, en tout cas. Les probabilités sont minces. Vous pouvez penser par vous-même. On oublie toujours que ceux qui ne sont pas religieux ont à leur disposition une riche perspective éthique, d'autant plus riche qu'elle est le résultat d'une réflexion et non d'un conditionnement ou d'une tradition. Ses racines se trouvent dans la considération rationnelle de ce qu'enseigne l'expérience cumulée de l'humanité, et c'est là une grande moisson de perspicacité. En fait, c'est une citation que j'ai reprise de A.C. Grayling, qui est un philosophe britannique. Il a écrit un livre, « The God Argument, The Case Against Religion and for Humanism ». À ma connaissance, je l'ai traduit parce qu'à ma connaissance, ça n'a jamais été traduit en français. Mais si vous lisez l'anglais, je vous encourage beaucoup à lire, c'est très enrichissant comme lecture. Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'humanisme. Et je continue. L'humanisme se fonde sur les meilleurs efforts de l'humanité pour comprendre sa propre nature et sa propre situation. Le résultat de ces efforts façonne ce que les humanistes aspirent à être en tant que personne. La plupart, ils souhaitent commencer chaque rencontre, chaque relation avec cette attitude, car ils gardent à l'esprit la remarque d'Emerson, selon laquelle, et je trouve la phrase tellement belle, selon laquelle nous devons donner aux autres ce que nous donnons à un tableau, l'avantage d'une bonne lumière. Je trouve que c'est une belle phrase. La plupart de nos semblables le méritent et répondent de la même manière. Certains, bien sûr, y renoncent par leurs actes délibérés, mais dans tous les cas, l'approche des humanistes repose sur l'idée que ce qui façonne les gens et l'ensemble des faits relatifs à l'interaction entre les fondements biologiques de la nature humaine et les circonstances sociales et historiques de chaque individu. Comprendre ces choses à travers les arts et la littérature, à travers l'histoire et la philosophie, à travers l'effort scientifique, c'est une conversation de l'humanité à laquelle tout ça s'ajoute, car le grand essentiel pour les humanistes dans leur quête d'une vie bonne et réussie, c'est pour faire du bien aux autres dans le processus et pour se joindre à leurs semblables dans la construction de sociétés justes et décentes où tous peuvent avoir une chance de s'épanouir. Ça, c'est la citation de M. Grayling. Et je rajouterai une petite citation que j'ai lue. Vous avez probablement entendu ça aussi, en quelque part. « Les humanistes croient en la vie avant la mort. » il y a un dernier point que je n'ai pas mentionné, de l'importance de la résilience. Aujourd'hui, il existe toute une école de psychologie et de conseil ancrée dans la vision humaniste du monde. Et c'est l'une des approches de conseil les plus populaires au monde. On parle de résilience. La résilience, c'est quelque chose que nous devons développer en nous-mêmes, en réfléchissant à nos valeurs, en portant un regard critique sur les affirmations des autres et en établissant des relations saines avec les autres. Carl Rogers, l'un des fondateurs de la psychologie humaniste, a écrit ce qui suit sur la personne résiliente et fonctionnant pleinement. Elle est plus à même d'éprouver tous ses sentiments et a moins peur de chacun d'eux. Elle est son propre filtre de preuves et est plus ouverte aux preuves provenant de toutes les sources. Elle est complètement engagée dans le processus qui lui permet d'être et de devenir elle-même et découvre ainsi qu'elle est sainement et réalistement sociale. Elle vit plus complètement dans le moment présent, nous apprend que c'est la vie la plus rationnelle à tout moment. Il devient un organisme plus performant et grâce à la conscience de lui-même qui circule librement dans et à travers son expérience, il devient une personne plus performante. Chacun de nous est unique, je l'ai dit tantôt, une combinaison de gènes qui n'a jamais été vue auparavant sur la planète Terre, une nouvelle expérience de l'être humain. Il n'y a pas d'archétype de l'être humain. Vous êtes un exemple aussi parfait d'Homo sapiens que la personne à côté de vous. Et l'espèce humaine est la somme de ses parties. Les révolutions des droits qui se sont déroulées au 20e siècle ont renforcé l'idée d'égalité humaine. Et ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'humain adoptée par les Nations unies. Je dis droits humains parce qu'ils disent droits de l'homme. Moi, je le fais volontairement. Parce que je trouve que les droits de l'homme, c'est comme ignorer l'autre 50% de l'humanité. Je pense qu'on ne devrait plus utiliser l'expression « droits de l'homme ». On devrait utiliser le droit humain. C'est ça, c'est mon opinion.
La Déclaration universelle des droits de l'humain ébauchée en 1948 est une vision humaniste parce qu'elle se fonde sur une nature humaine et des besoins communs. Nous avons tous des droits humains. Mais les humanistes pensent aussi que ça signifie que nous avons également des responsabilités. Le droit à une vie privée est aussi l'obligation de respecter celle des autres. Le droit à la liberté d'expression et de penser est aussi l'obligation d'être généreux et de laisser aux autres la possibilité d'être entendus. Croire en l'unité intrinsèque de l'humanité ne signifie pas que tout le monde est pareil. Une société qui favorise la liberté, la prospérité, la créativité, l'épanouissement et l'épanouissement, pardon, de tous les individus qui la composent, quelle que soit leur classe, leur couleur, leur race, leur sexe, leur genre, leur capacité ou toute autre caractéristique distincte. Être humain, c'est aussi réfléchir, raisonner, négocier et communiquer avec ses semblables. La diversité de points de vue, c'est une richesse. Également, et j'ai rajouté ça parce que j'y crois vraiment, le principe de liberté et d'expression devrait également être étendu aux enfants. Personne, quel que soit son âge, ne devrait être forcé de suivre une religion ou toute autre coutume. Les humanistes pensent que notre capacité d'empathie et de raison nous permet de mieux comprendre comment la vie de chacun pourrait s'améliorer si nous tolérons mieux nos différences. C'est ce que je viens de dire, le respect mutuel est nécessaire si nous souhaitons vivre dans une société pacifique. Je pense que c'est presque une vérité de la palisse. Dernière, une petite citation de Victor Hugo que j'aime beaucoup. « Ne soyons plus anglais, ni français, ni allemands. Soyons européens. Mais non, ne soyons plus européens, soyons des hommes. » Bon, encore là, il utilise le mot « homme », mais bon, j'imagine qu'il inclut les femmes là-dedans. « Soyons l'humanité. Il nous restera à abdiquer un dernier égoïsme, la patrie. » La vertu ne s'épanouit qu'entre égaux. Ça, c'est Mary Wollstonecraft. C'était une femme remarquable. Elle a vécu au 18e siècle, à une époque où de nombreuses contraintes encadraient l'existence des femmes. Alors, imaginez une femme vivant à cette époque. C'était une non-personne. Sa place était à la maison. Elle n'avait aucun droit et était soumise à son mari. À cette époque, la structure de la société, dis-je, tend à favoriser et privilégier l'homme. Les femmes n'avaient pas accès à l'éducation supérieure ou pas d'accès du tout, avaient peu de droits du point de vue légal et étaient traitées en être inférieures. En 1792, elle publie « Défense des droits des femmes », dans lesquelles elle soutient que les femmes sont inférieures aux hommes uniquement dans la mesure où elles sont traitées de façon inégale. Si garçons et filles étaient éduqués de façon équivalente, il n'y aurait plus de différence selon elle. Elle élabore la vision d'une société plus juste, plus rationnelle, selon des principes humanistes. Alors, c'est sûr qu'on a fait des progrès, mais on en a encore beaucoup à faire aujourd'hui quand on regarde la situation. Dans un monde idéal, on ne parlerait pas de droits des femmes, on parlerait de droits humains. C'est ce que je crois. James Baldwin, c'est un brillant auteur de fiction décédé en 87 qui a milité pour les droits des personnes afro-américaines et des gays. À l'instar de Baldwin, les humanistes ont milité contre les préjugés raciaux et le racisme qui existent dans de nombreuses sociétés. Ils ont souligné que le concept de race est une construction sociale et n'a aucun sens du point de vue de la biologie. Et pour vous en convaincre, j'ai trouvé cet article dans le Skeptic Magazine, ça fait quelques mois de ça, dans un article intitulé « Science and Race » de Guy P. Harrison, où il apporte les faits suivants. Tous les êtres humains sont génétiquement identiques à 99,9%. La génétique démontre que les humains ne peuvent être divisés en sous-catégories distinctes. Déclaration de la Société américaine de génétique humaine. Les humains ne sont pas biologiquement divisés en types continentaux distincts ou en groupes génétiques raciaux. Déclaration de l'Association américaine des anthropologues physiques. La vision du monde racial a été invitée pour assigner certains groupes à un statut inférieur perpétuel, tandis que d'autres ont pu accéder aux privilèges, au pouvoir et à la richesse. Déclaration de l'Association américaine d'anthropologie. Les caractéristiques observables, telles que la couleur de la peau, la forme du nez et la coiffure, sont réparties de manière trop irrégulière dans l'humanité pour pouvoir être utilisées comme marqueurs pour séparer la population mondiale en races biologiques.
Numéro 6, les catégories de races biologiques sont définies différemment selon les cultures. Les règles d'inclusion et d'exclusion varient tellement qu'elles se contredisent souvent. Cela signifie que de nombreuses personnes sont assignées à des races différentes aujourd'hui qu'elles ne l'auraient été dans le passé. Parmi les anthropologues, ceux qui étudient les gens, il y a un rejet spectaculaire du concept de race dans tous les sous-domaines. Nous avons observé qu'il n'y a pas de race biologique humaine, ont écrit les auteurs d'une enquête de 2017. Les différences entre groupes raciaux dans les scores de QI ne prouvent pas l'existence de race biologique ou que les races ont des capacités ou des potentiels d'intelligence hérités différents. Les races ne sont pas des catégories génétiques crédibles d'êtres humains. Il est absurde de faire des affirmations à l'emporte-pièce sur les capacités cognitives. Bonjour, Dr. Mailloux. Ni les maladies raciales, ni la médecine et les soins de santé basés sur la race ne confirment l'existence de races biologiques. Une étiquette raciale d'origine culturelle est un mauvais indicateur de l'ascendance et du génome réel d'un patient et peut entraîner de graves problèmes. Finalement, le dernier, le paysage actuel du sport ne valide pas la croyance dans les races biologiques. Certaines populations, relativement petites, peuvent exceller dans des compétitions spécifiques en raison d'éventuels avantages génétiques. Mais ces populations ne représentent pas logiquement des groupes beaucoup plus importants. Alors, je n'ai pas inclus les références ici, mais je peux vous les fournir si jamais vous désirez le faire ou désirez les avoir. J'irais même, moi, ce que je suggérais, que lorsque nous pensons quelqu'un, surtout une personne que nous connaissons peu ou pas, le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est de penser d'abord humain. Ensuite, ça serait le nom et l'origine, mais humain toujours d'abord en premier. Ça aiderait, je pense, à considérer cette personne-là de façon différente, peut-être. C'est à vous, chacun de vous, de répondre à cette question. Être bon. Bon, vous connaissez ça? Est-ce qu'il existe une règle que nous devrions suivre toute notre vie? Sûrement, il s'agit de la réciprocité. N'inflige pas aux autres ce à quoi tu n'aspires pas toi-même. C'est une règle qui n'en est pas vraiment une. C'est un thème, par contre, ce thème-là a traversé à peu près toutes les époques et toutes les civilisations. On en trouve des exemples écrits en Égypte, voici 4000 ans, et en Chine, il y a plus de 2500 ans. Alors, le bonhomme Jésus, là, il n'a pas rien inventé, hein? Il a juste repris ce qu'il a déjà peut-être entendu ailleurs. Mais faut prendre ça avec un bémol. George Bernard Shaw avait raison de dire que nous ne devrions pas appliquer la règle d'or parce que les autres ne peuvent ne pas partager nos intérêts et nos goûts et que nous ne pouvons pas comprendre les leurs. Alors, comment peut-on être sûr de parvenir à une réelle compréhension des besoins et des désirs des autres sur la seule base de la connaissance des gens? Comment peut-on faire de ce qui contribue à son propre bien, la référence et la norme pour le bien des autres? Le point concernant les paramètres objectifs de la moralité découle de notre bonne compréhension générale des conditions minimales de l'épanouissement humain, tandis que le second point nous rappelle que nous avons toujours beaucoup à apprendre sur toutes les autres choses qui peuvent favoriser cet épanouissement sur une base individuelle. Les humanistes en général pensent que la solution réside dans la capacité de chacun à évoluer les perspectives d'autrui, simplement en lui demandant ce qu'il rend heureux ou pas. Le pouvoir de l'empathie. Tout le monde connaît ça, l'empathie. L'empathie, c'est notre capacité à se mettre à la place de l'autre, à voir son point de vue. Ça se révèle une des facultés les plus importantes, car elle nous aide à prendre de meilleures décisions et à devenir de meilleures personnes. Maintenant, comment développer notre empathie? C'est simple, parler à d'autres personnes de leur vie. Essayer de voir les choses avec leur perspective. Ou une autre façon, c'est lire des histoires, lire des romans. Quand vous pensez aux personnages. Une autre façon, c'est simplement de lire des romans, des histoires, penser aux personnages, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur motivation, vous feriez quoi à leur place. Nous devons essayer autant que possible d'éviter le piège de vivre en vase clos, parce que ça nuit à notre capacité d'empathie. Nous devons aussi chercher à comprendre le ressenti d'une personne souffrant d'une injustice ou de discrimination, exploitée ou trahie. Mais nous devons aussi associer empathie avec raison. Ah oui, que c'est qui est celle-là? Bon,
J'ai mis ça parce que, bon, on est tous différents. Mais il y a des points sur lesquels, universellement, on s'accorde. J'ai trouvé là-dessus, c'est une étude d'anthropologues de l'Université d'Oxford en 2019 qui ont publié les résultats d'une recherche abordant la question de la morale. La question essentielle était de vérifier si la morale varie en fonction du lieu et de l'époque. Ils ont étudié 60 groupes, allant de petites tribus à des sociétés plus vastes, et ils ont découvert 7 règles universelles que je vais vous montrer. La première, c'est l'affectation des ressources à la famille. L'altruisme envers la famille est socialement favorisé dans les sociétés de cueilleurs jusqu'aux sociétés modernes. Ça se retrouve partout. Coordination pour l'avantage mutuel ou la loyauté de groupe. Le mutualisme explique pourquoi nous formons des groupes et des coalitions. L'union fait la force. Et donc, pourquoi nous valorisons l'unité, la solidarité et la loyauté. Numéro 3. Échange social. Réciprocité positive et négative. L'échange social positif et négatif explique pourquoi nous faisons confiance aux autres, échangeons des faveurs, ressentons de la culpabilité et de la gratitude, faisons amende honorable et pardonnons. Ténacité et courage. La ténacité qui englobe le courage, l'agressivité et la compétitivité est un des traits largement inculqués aux enfants dans une majorité de cultures. Le prochain, c'est l'obéissance. L'obéissance fait partie des traits largement inculqués aux enfants dans une majorité de cultures, ce qui s'élargit au respect des supérieurs chez les adultes. Celui-là, je mettrai un petit bémol dessus, parce que je pense que l'obéissance peut mener aussi à des abus. C'est pour prendre un exemple extrême, là, les gens qui, les SS là, de Hitler, ils ne pensaient pas, ils obéissaient. Il y avait un ordre, ils le faisaient. Est-ce que leur ordre était moral, quoi que ce soit, ne se posait pas de questions, ils le faisaient. Alors, celui-là, je vais mettre un petit bémol dessus. L'obéissance est bonne jusqu'à un certain point. Division des ressources. Les ressources doivent être divisées avec équité. Encore là, c'est peut-être un point où notre société moderne consumériste aurait avantage à réfléchir. Possession, droit de propriété. La reconnaissance de la propriété privée est présente dans la plupart des cultures et le vol est condamné. Le principal auteur de la recherche, qui est Oliver Scott Curry, mentionne « Tous les groupes étudiés s'accordent sur l'importance de la coopération et de la promotion du bien commun ». Alors, oui, on est différents, mais on a aussi beaucoup de points en commun avec le reste des gens sur notre planète. Être bon présente un avantage naturel. Les humanistes ne croient pas en une source de commandements ou de règles pour être bon. Ils considèrent plutôt que nous devons réfléchir par nous-mêmes au type de personne que nous voulons être et aux conséquences de nos actes. Même les personnes qui affirment puiser leur morale dans l'autorité religieuse, les doctrines sacrées ou les livres saints ont pour la plupart une approche très sélective à cet égard. Ils choisissent soigneusement les parties qui correspondent à ce qu'elles considèrent déjà comme morale et ignorent les autres parties. C'est pourquoi, bon, c'est dans la Bible et dans le Coran, il y a des beaux passages aussi, là. Et bon, en règle générale, les chrétiens regardent juste ça, mais ils oublient la partie, ils n'ont pas lu l'Ancien Testament, où il y a des génocides, des violences à n'en plus finir. Ils essaient d'oublier l'Inquisition et tout ça, là, bon. Donc, les anglophones ont un terme pour ça, qui appellent ça du cherry picking. Ça veut dire que tu prends juste ce qui fait ton affaire et tu laisses faire le reste. Les humanistes ne croient pas en une origine surnaturelle des commandements ou des règles qui nous amènent à faire preuve de bonté. Au contraire, ils soutiennent que nous devons penser par nous-mêmes quel genre de personnes souhaitons être, mais également à réfléchir aux conséquences de nos actes. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Ricky Gervais? C'est un comédien anglais. Une humaniste, c'est toujours de faire ce qui est juste, même quand personne ne le regarde. Je trouve ça bon. Vos décisions comptent et personne ne les prend à votre place. Nous ne pouvons pas échapper à la question de notre responsabilité personnelle dans le fait de décider que faire ou de ne pas faire.
En définitive, la vision humaniste de la morale nous offre un pouvoir incroyable. Elle signifie que les êtres humains ont en eux la possibilité de déterminer ce qu'il est juste de faire ou non. En employant la raison, l'empathie, la compassion et la considération à l'égard de la dignité de chacun. Petite citation de Jean-Paul Sartre, où il pose une question, mais en vérité, on doit se demander, qu'arriverait-il si tout le monde en faisait autant? Question à se poser quand on prend une décision. Trois concepts principaux émergent. Notre comportement doit être guidé par des règles, par des conséquences et par les vertus. Encore une autre citation de John Stuart Mill, un philosophe anglais du 19e siècle. Les actions sont bonnes dans la mesure où elles tendent à promouvoir le bonheur, mauvaises dans la mesure où elles tendent à produire l'inverse du bonheur. Je pense que ça vaut quand même assez de soi. Prochain point. Pensez avec lucidité. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Et comment faire la différence? Il y a trois moyens de considérer la chose. Il y a une éthique basée sur des règles concernant ce qui est bien ou mal. Une action est considérée comme mauvaise si elle enfreint une règle. Les problèmes que ça pose sont clairs. Les règles peuvent être erronées et nous pouvons nous interroger sur les motivations de ceux qui les édictent. Il existe une éthique qui repose sur les conséquences. Une action est considérée comme mauvaise si elle produit un effet néfaste. Nous devons encore décider de la signification du mot « dommage », mais penser aux conséquences semble être une façon plus rationnelle et plus intelligente de juger les actions que de se contenter des règles. Et puis, il y a une éthique fondée sur les vertus. Une action est bonne si elle correspond à ce qu'une bonne personne ferait. Nous devons encore décider des vertus qu'une bonne personne devrait avoir, mais cela offre un moyen d'être moral par le développement personnel et la réflexion. Les humains ne se montrent pas toujours capables d'accepter la vérité. On n'est jamais si bien trompé que par soi. On est la personne la plus facile à tromper, c'est nous-mêmes. Peut-être qu'il est plus convenable de penser blanc ou noir, ou parce qu'une personne de confiance nous l'a dit, ou parce que nous le croyons depuis longtemps, nous voulons le croire, même si c'est faux. Cette faille porte un nom, ça s'appelle un biais cognitif. Voici les principaux. Là, je donne deux exemples, mais il y en a plein de biais cognitifs. Michel avait mis une pancarte d'avoir. Est-ce que je ne sais pas si c'est encore là? Mais étant en anglais, à un moment donné, on s'est dit qu'on voulait la traduire en français. Mais bon, je donne deux exemples ici. L'effet d'ancrage. Nous avons tendance à nous fier à la première information reçue sur un nouveau sujet et nous jugeons ensuite toute nouvelle information à l'aune de ce renseignement initial. Par exemple, si nous nous rendons dans une première boulangerie où la baguette coûte 3 $ et que nous allons dans une seconde où elle est vendue à 2 $, celle-ci paraîtra bon marché. Or, il se peut que dans tous les autres commerces du quartier, elle vaille seulement 1 $. Notre opinion est forgée à la suite de notre première impression. Le second, le biais de confirmation. On a tous des biais de confirmation, qu'on l'admette ou pas. En tout cas, moi, je sais que j'en ai, et je pense pas mal sûr que c'est la même chose pour tout le monde. Nous avons tendance à chercher plus activement les informations qui confirment nos convictions et à écarter celles qui les contredisent. Nous sommes également enclins à croire que les preuves qui appuient nos jugements se révèlent de meilleure qualité, même si ce n'est pas le cas, en outre. Nous nous souvenons mieux des informations qui vont dans notre sens et avons tendance à oublier les autres. Comme j'ai dit, il existe des centaines de biais cognitifs. Mais plus vous apprendrez à les connaître, plus vous serez capable de détecter des problèmes. Bon, 3 raisonnements fallacieux. Encore là, je donne 3 exemples. Le premier, le plus répandu, c'est le sophisme. Ça dit, bon, si B arrive après A ou en même temps que A, alors A est la cause de B. Par exemple, Daniel teint ses cheveux en vert un mardi. Le mercredi, Robert accepte de l'épouser. Donc, selon Daniel, elle doit son mariage à sa nouvelle couleur. L'épouvantail, ou l'homme de paille, ce qu'on appelle en anglais le straw man.
Il s'agit cette fois de caricaturer la position de l'adversaire afin de la rendre plus facile à attaquer. Par exemple, Jeanne affirme que les effets positifs de l'implication du privé dans le domaine de la santé sont sous-estimés. Donald réplique qu'il n'arrive pas à croire que Jeanne veuille privatiser la santé et laisser les pauvres mourir dans la rue. Ensuite, il y a le faux dilemme. Soit A est vrai, soit B est vrai, ou si B est faux, alors A est vrai. En réalité, il existe d'autres possibilités. Par exemple, Robert affirme que Jésus est soit le Fils de Dieu, soit un personnage fictif. Bon, bien entendu, cette affirmation fondée par une personne usant d'un raisonnement fallacieux, ça peut être vrai, mais mal argumenté. Peut-être que Jésus est un personnage fictif. Est-ce que Jeanne souhaite la mort des pauvres et Robert a-t-il épousé Daniel pour ses beaux cheveux verts? Aucune de ces informations, n'est prouvée par les arguments formulés. De la même façon, un argument ne comprenant aucun raisonnement fallacieux peut se révéler faux, par exemple si l'information sur laquelle il se fonde est incorrecte. La petite citation de Bertrand Russell, si la philosophie humaniste vous intéresse un temps soit peu, vous allez tôt ou tard tomber sur Bertrand Russell. Moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu et que je trouve qu'il fait beaucoup de sens. Ça n'a pas vraiment à voir avec les sophismes, mais bon, on dit souvent que c'est un grand mal de s'attaquer aux religions parce que la religion rend l'homme vertueux. C'est ce qu'on dit, je ne l'ai jamais observé. Mais il a écrit quelque chose dans les années 50, le Décalogue progressiste de Bertrand Russell. Ça a été écrit dans les années 50 pour nous servir de guide, pour élaborer une pensée critique au sein d'une période qui voit les raisonnements fallacieux prospérer dans la politique et dans la société. Je pense qu'on est encore dans ce milieu-là en ce moment, avec tout ce qui se passe. Le premier. Éventuellement, on ne touchera pas. Bon, le premier, ne soyez jamais absolument certain de rien. Deux, ne croyez pas qu'il soit utile de dissimuler une preuve, car cette preuve éclatera toujours au grand jour. N'essayez jamais de décourager la pensée, car vous êtes sûr d'y parvenir. Quand vous vous heurtez à une opposition, important je trouve, qu'elle provienne de votre conjoint ou de vos enfants, efforcez-vous de les dépasser par vos arguments et non par votre autorité, car la victoire qui repose sur l'autorité se révèle toujours irréelle et illusoire. Ne respectez pas l'autorité d'autrui, car vous trouverez toujours... N'usez pas de votre pouvoir pour supprimer les opinions pernicieuses, car les opinions finiront par vous supprimer. Ne craignez pas de formuler des opinions excentriques, car chaque opinion dorénavant acceptée a un jour été considérée comme excentrique. Trouvez plus de plaisir dans un désaccord intelligent que dans un accord passif, car si vous estimez l'intelligence à sa juste valeur, alors le premier impliquera une concorde plus profonde que le second. Respectez scrupuleusement la vérité, même si la vérité dérange, car elle dérangera encore plus si vous tentez de la dissimuler. Et finalement, ne jalousez pas le bonheur de ceux qui se bercent d'illusions, car seul un simple d'esprit croit qu'il s'agit du bonheur. Ne jugez pas fâcheux de changer d'avis, c'est parfois une qualité. Prochain, science et progrès. Parfois, lorsqu'on regarde le monde autour de nous, il y a de quoi être déprimé. Mais en réalité, objectivement, nous vivons dans l'une des meilleures époques, si ce n'est la meilleure de notre histoire. Certains évoquent l'idée d'un âge d'or perdu, où les êtres humains étaient peut-être plus pauvres et vivaient moins longtemps, mais étaient spirituellement plus riches. Aujourd'hui, disent-ils, nous sommes matériellement mieux lotis, mais spirituellement appauvris. Mais croyons-nous vraiment qu'il est préférable et spirituellement enrichissant d'être pauvre, affamé, ignorant, malade et mourir jeune? Certainement pas, selon moi. La science ne suffit pas à nous apporter le progrès. Tout ce qui n'est pas interdit par les lois de la nature peut être réalisé pourvu qu'on dispose de la connaissance appropriée. Or, c'est bien là le problème. Tout, c'est vraiment tout. Les vaccins, au même titre que les armes biologiques, la vidéo à la demande, au même titre que Big Brother sur... Dans le télécran orwellien. Quelque chose de plus que la science a fait que les vaccins ont été utilisés pour éradiquer les maladies.
tandis que les armes biologiques ont été mises hors la loi. Spinoza disait, et je cite, « Les hommes que la raison gouverne ne désirent rien pour eux-mêmes qu'ils ne désirent également pour tous les autres. » Fin de la citation. Le progrès consiste à mettre en œuvre les connaissances pour permettre à toute l'humanité de s'épanouir au même titre que chacun d'entre nous qui cherche à s'épanouir. L'objectif de maximiser l'épanouissement humain, la vie, la santé, le bonheur, la liberté, la connaissance, l'amour, la richesse de l'expérience, ça peut être appelé humaniste. En dépit de la racine du mot, l'humanisme n'exclut pas l'épanouissement des animaux, j'en ai parlé un peu plus tôt. Le progrès humain est réel. On ne le voit pas toujours, mais c'est le cas et les données sont là pour le prouver. Pour ça, je vous recommande peut-être de lire... ce que je veux vous dire, c'est je vais vous encourager à lire, si vous ne l'avez pas déjà lu, le livre de Steven Pinker, « Le triomphe des Lumières », en français. Je trouve que c'est un livre qui est magnifique. Ça vous donne un petit peu d'espoir en l'espèce humaine. Et ça mentionne... Il fournit beaucoup de données à l'intérieur du livre sur la condition humaine. Il y en a plein, là. J'en mentionne quelques-unes au hasard. Mettons, il parle de l'espérance de vie, mettons, de l'année 1700 à aujourd'hui, les maladies infantiles, le revenu moyen par habitant. En tout cas, il y en a plein dans ce genre-là. J'en ai trois, mais il y en a plein d'autres. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment des données objectives, vérifiables et vérifiées. Alors, ça vous redonne un peu, je pense, espoir en la race humaine. Les humains sont longs à changer, sont lents à changer, mais on change. Et en règle générale, quand on change, c'est pour le mieux. Et je pense que juste lire ce livre-là, ça vous réconcilie un petit peu avec la race humaine. Il y a certaines personnes qui nient l'idée de progrès, mais il est très étrange de se pencher sur l'histoire et la préhistoire, de voir comment notre compréhension du monde s'est améliorée, comment les humains sont désormais capables de vivre plus longtemps, en meilleure santé, comment la superstition a cédé place à la science, comment la culture s'est épanouie, et de ne pas considérer ça comme un progrès. Une grande partie de ces progrès est due à l'avancée de la science comme moyen de comprendre le monde et de développer des technologies pour améliorer nos vies. Nous sommes certainement confrontés à de grands défis aujourd'hui, mais nous ne devons pas nous résigner au désespoir ou à l'ignorance. Au contraire, nous pouvons nous permettre d'être optimistes quant au potentiel d'amélioration des vies par l'effort humain. Les humanistes embrassent la science comme notre meilleur outil pour comprendre comment le monde fonctionne, pour améliorer les vies humaines et pour comprendre comment nourrir au mieux le reste de la vie sur cette planète. Là, ici, j'ai une petite surprise pour vous. J'espère qu'elle n'est pas trop mauvaise. Vous avez droit à, vous êtes mon public cible. J'ai fait quelques petites vidéos d'animation pour illustrer certains principes humanistes. Je vous dis tout de suite, c'est pas long, ça dure comme 2 ou 3 minutes max. J'ai autant vous dire tout de suite, j'ai pas rien inventé. C'est quelque chose, j'ai vu les humanistes britanniques faire sensiblement la même chose et j'ai décidé de reprendre le concept. Alors, voilà ce que ça donne. Peux-tu ouvrir le son pour, s'il te plaît? Comment savons-nous ce qui est vrai? Depuis que les êtres humains sont capables de penser, nous nous sommes posés de grandes questions sur le fonctionnement du monde qui nous entoure. Certaines personnes ont pensé qu'il existait une autre réalité que celle que nous pouvons percevoir par nos sens normaux. Un monde surnaturel où il pourrait y avoir des fantômes, des lutins, des dieux et des démons. Ils ont pensé que la connaissance pouvait provenir de cette source, de révélations surnaturelles, de visions prophétiques ou de livres d'inspiration divine. D'autres ont pensé que le meilleur moyen d'apprendre est d'observer le monde qui nous entoure attentivement et en détail, de se faire des idées sur les raisons pour lesquelles les choses se comportent comme elles le font, de tester ces idées par des expériences, de les affiner à la lumière des résultats, puis de les tester à nouveau. Parmi toutes les méthodes que les gens ont essayé d'utiliser pour découvrir comment le monde fonctionne, l'observation, l'expérimentation et la confrontation de théories face aux preuves sont celles qui ont le mieux réussi.
Les prophètes ont prédit la fin du monde à de nombreuses reprises, mais nous sommes toujours là. Les anciens livres saints contiennent une description de l'univers qui s'est avérée totalement inexacte. Si l'on vous demande de choisir entre prendre un médicament prescrit par un médecin dont les méthodes sont basées sur l'expérience et un autre qui choisit un médicament pour vous sur la base de ses visions, vous ne choisirez probablement pas le médicament des visions. Nous ne saurons peut-être jamais tout, mais la confrontation des théories face aux preuves a prouvé à maintes reprises qu'elle était un moyen fiable d'acquérir des connaissances sur le fonctionnement du monde qui nous entoure. Grâce à la science, nous avons guéri des maladies mortelles, créé des technologies étonnantes et appris des choses sur l'univers qui nous remplissent d'émerveillement. Lorsque nous voulons savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, il n'y a pas de meilleure méthode. Et voilà, c'est ça. Alors, merci. Applaudissez pas tout de suite, j'en ai deux autres. Si je les mettais sur YouTube, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vaut la peine de les mettre publics. Mais vous êtes les premières personnes à les voir ce soir. Bon, je parlais tantôt du livre de Steven Pinker, c'est celui-là ici, Le Triomphe des Lumières, que je vous encourage fortement à lire. Oui, je pense que... non, ce qu'on a ici, c'est la version anglaise, qui est Enlightenment Now, mais je ne crois pas que l'on ait la version française. Mais on va s'arranger pour l'avoir.